C'était une expérience terrible. Je te comprends. Je connais l'homme que j'ai aimé. Tu ne prends jamais ce qui n'est pas à toi. Dieu va te justifier. Amen, amen. C'est exactement ce que maman a dit. Honnêtement. Ok. Alors, c'est quoi ton plan maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Je pense à propos de ça. Peut-être je vais aller apprendre un métier. Mécanicien ou menuisier. Peu importe le métier. Que j'aille apprendre ça au moins. Il faut que je m'occupe avec quelque chose pour le moment. Mais, sinon je ça va aller. Tu as fait un point. Tu as raison. Mais sache juste que, peu importe tout ce que tu veux faire maintenant, je serai toujours là pour toi. Ok? Ok, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma chérie. Bien, je vais aller à Akoko pour rencontrer la fille qui a sauvé ma vie. Je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi tu veux aller la voir? Dis-moi, quel est ton problème? Pourquoi tu es souvent jalouse? Ça n'a rien à voir avec la jalousie. Tu veux aller la voir pourquoi? Hein? Ok, ce que tout individu doit faire est d'aller manifester son appréciation à quelqu'un qui lui a fait une chose pareille. C'est ce que je vais aller faire. Écoute, je crois que c'est juste pour apprécier ce qu'elle a fait pour toi. Que ça ne devienne pas une autre chose. C'est juste là mon problème. Je ne veux juste pas que ce contact change de nature. Que ça ne devienne pas ce que je pense, s'il te plaît. Ma vie, ça va. Ça nous conduira à quelque chose d'autre. C'est juste du remerciement. Laisse-moi aller la remercier. D'accord? Ça va, on se verra après. Dis-moi quand tu seras de retour. Je le ferai. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Mon ami. Oh. Comment vas-tu? Toi encore? Comment vas-tu? Très bien. Que s'est-il passé? S'il te plaît, je m'étais cogné quelque part. Oh, désolé. Je suis vraiment désolé. Merci. Tu sais, je suis venu pour te remercier pour l'autre fois. Mes parents te saluent. Waouh, d'accord. Ouais. Puis-je m'asseoir? Oui, prends place. Merci. Tu sais, ce jour, j'étais tellement choqué de telle emprise que je n'ai pas pu demander d'après ton nom. Ok, je m'appelle Kamso. Wow. Un joli nom. Merci. Donc, je comprends, ça va. Et moi, je m'appelle Joseph. Je suis Joseph, ouais. Ok, c'est un beau prénom. Merci. Est-ce que tu habites ici toute seule? Pas du tout. Mon père est déjà mort. Oh. Toutes mes condoléances. Merci. Désolé pour ça. Qu'en est-il de ta mère? Elle avait voyagé pour chez elle. Bientôt, elle sera déjà de retour. La semaine prochaine? C'est bien. Ça va. Tu sais, je suis vraiment... Je ne sais pas comment te remercier, honnêtement. Pour ce que tu m'as fait, mes parents aimeraient que tu viennes les rendre visite. Je vais le rencontrer au moment opportun. Donc, si je te comprends bien, tu me le promets? Ah oui, c'est une promesse. Entendu. Ok, ok. Wow. Maintenant, je vais prendre congé de toi, mais je reviendrai encore. D'accord? D'accord, merci d'être venu. Je t'en prie. À plus. Ok? D'accord. Prends soin de toi. Salue-moi ta mère quand elle sera de retour. Ok, bye. Ok? Mon ami,
Mon ami de tous les temps. Mon ami de tous les temps. Hey, mec, qu'est-ce que tu fiches dans ma zone là? Oh bye. Hein? Odogu, non, si on m'avait dit qu'on pouvait se revoir un jour. Oh bye. Je ne l'aurais jamais cru, oh. Attends. Hé, hey, mon ami, c'est bien moi, oh. C'est bien moi, sois calme, tu ne vois pas un photo. Qu'est-ce que je vois là? Mais c'est bien moi, mec. Oh bye, mon gars. Bordel de merde, qu'est-ce que tu fais sur mon village? Puis-je toucher ça? Oui, je touchais ça. Obi, c'est toi ça? Demande. Allez, assieds-toi là. Que se passe-t-il? Les aléas de la vie, mon cher. Ce n'est pas facile, mais on se débrouille. Ah, écoute, tu es la dernière personne que j'espérais de rencontrer ici. Par quelle magie, mon gars? Allez, calme-toi, pote. Je tiens le coup, mon gars, comme d'habitude, mais parle-moi un peu de toi. Obaï. Dis-moi, mon cher, dans mon village, là, tu fiches quoi? Obaï, je viens de rendre visite à quelqu'un. Tu sais, une amie comme ça, tu vois? Une amie comme ça. Et c'est regarde-toi d'abord comment tu es en train de trembler en disant ça, hein? Hein? La dernière fois que tu es venu ici pour voir une fille, tu sais comment... Ah! En tout cas, si je te dis maintenant que ce n'est pas une fille, là, je t'ai menti. En tout cas, c'est quelque chose du genre. C'est une fille que j'ai rencontrée dans une situation on ne peut plus délicate, mon frère. Honnêtement. Hein? Mon ami, je suis content pour toi, mec. Depuis que ton boss t'a renvoyé, personne ne t'a plus jamais revu. Hein? Ifikeji avait juste établi des règlements, c'est tout. Mais là, on ne te voit plus. Quel Ifikeji? Quel règlement? Hein? Cet homme a monté des allégations contre moi. Il m'a mis en taule. Mon frère, il fallait voir ce qu'il m'a fait. Hein? Si tu vois ce que cet homme a fait, hein? Et il m'a donné de l'argent à les déposer à la banque. Et il a envoyé maintenant des gars, des braqueurs, pour me braquer. Gars, il fallait voir. Ils ont pris l'argent. Cet homme est venu chez nous à la maison. Il m'a enlevé. Il m'a conduit au commissariat. Dis-moi que ce n'est pas vrai. J'ai été emprisonné. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Tout ce qui s'est passé, je l'ai mis dans la main de Dieu. C'est Dieu seul qui va le juger. Oui. Mais mon frère, attends. J'ai appris que ton patron t'a bien réglé. C'est d'ailleurs évident. Vrai. Regarde l'or autour de ton cou et regarde ta voiture. Oh, je te jure, j'aimerais servir ton patron. J'aimerais le servir. Calme-toi. Tu veux servir qui comme ça, hein? Hein? Qui m'a réglé? Mon je parle ami, de ton sache patron. Que personne ne m'a réglé, je me suis réglé tout seul. Tu ne sais pas que la plupart de ces gars sont dans des affaires louches. Et quand c'est le moment pour eux de sacrifier leurs hommes de main, ils peuvent chercher une ou deux choses à faire, ou même carrément les tuer. J'ai buté pour toi, moi je me suis échappé. J'avais pas de temps à perdre, j'ai juste pris 1 million. Hein? Oui, tu dis quoi? Échappé. 1 million de naira, mon cher, je t'ai dit. 1 million de naira? Tu as volé l'argent de ton patron? Mais oui, non. Mais mon frère, non. Non, ce n'est pas bien. Comment vas-tu aller jusqu'au point de voler l'argent de quelqu'un? Écoute, tu n'as pas besoin de faire ça. Même si tu pourrais... Mais qu'il te renvoie sans argent. Dieu qui bénit tout le monde va te bénir aussi. Pourquoi? Tu n'as pas besoin de toucher son argent. Non, vraiment, non, mais je ne suis pas content. Juste sur toi. Sérieusement, mec. Tu es béni et moi, je suis ton ami. Tu imagines un peu le temps qu'on a pris à parler pendant que tu étais même assis sur ma voiture. Oh bah, je suis ravi comme ça. Dieu a du plan pour tout le monde. Hein? Tu comprends? Bon, mais je crois qu'on devrait partir. On a dit quoi, non? On a dit quoi? On a dit quoi? Allez, viens, on monte, mon cher. Obaino. Allez, monte, mon cher. Obaino. Obaino. Oba, tu vas m'introduire dans tes affaires, hein. Ça, c'est sûr. Calme. Obaino, c'est Bayen Bayen. Ah oui, hein, mon cher. Nkechi, où est Joseph? Joseph, il n'est pas à la maison. Y a-t-il un problème? Non, pas vraiment. C'est juste qu'il m'a dit qu'il devait aller chez Coco hier. Et depuis, je ne l'ai même pas entendu. Je ne l'ai même plus revu. Je suis inquiète. Ah, ok. Il était rentré hier, tard la nuit, hein? Il était revenu tard, la nuit dernière. Oui. T'inquiète, à son retour, je lui dirai que tu le cherches. Ok, et comment va maman? Maman va bien. Et papa aussi. Ils vont tous très bien. Dieu fait grâce, toi aussi. Notre qui famille. Qui laisse-moi, je ne veux pas. Toi, ils vont t'épouser, t'inquiète. Je souhaite qu'ils reviennent. Non? T'inquiète, j'ai tu vas revenir. De le voir. L'amour brille en toi. Odogu. Wani Afugumai. Hey. Afu Agumai, mon gars. Afu Agumai. Joseph. Hein?
Qui est cette fille dont tu viens de me parler? Comment elle s'appelle? Ok, elle s'appelle Kamso. Kamso, la fille de Iti Okafo. Okafo que je connais. Oh, tu la connais? Kamso, la fille brune et assez belle comme ça. Je me trompe? Tu dis vrai? Tu la connais? Ce monde est petit. Joseph. Qu'est-ce que c'est? Kamso est morte. Si c'est bien la Kamso, la fille d'Okafo dont tu me parles, je te dirai qu'elle est morte. Baino. Oh, Baino. Arrête ça. Et dis Ronwa et Goigo. Tu comprends? Arrête ça. Kamso que j'ai vue hier, à moins que tu parles. Ou bien, elle vient de mourir ce matin? Je ne sais pas, mais tu as sûrement dû voir un fantôme. Est-ce que tu vas bien, toi? Kamso, moi j'étais à son enterrement. Kamso est morte il y a deux semaines passées. Moi qui te parle, j'ai enterré Kamso. Ce que tu dis n'a pas de sens, qu'est-ce que tu racontes? Es-tu sérieux là? Regardez ce gars. Hein? Regarde. Attends, écoute, écoute. Cette pagaille va un peu loin. Il dit au moins Gouégou. Arrête ça, mon gars. Kamso. Ah, Kamso que j'ai vu hier. Mais de quoi parles-tu? Je suis désolé. Pardonne-moi. Tu ferais mieux. Mon frère, ça pas grave, je n'aime pas ça. Hein. Tu veux bien m'écouter maintenant? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu es prêt? Prêt pour quoi? Pourquoi cette question? Je vais t'emmener quelque part et là tu comprendras mieux. Franchement, je ne te comprends pas. Hein. Mais ça, c'est quelle bagaille. Franchement, je te jure, hein. Je ne te comprends pas. Ok, allons-y, allons-y. Je crois bien que c'est ici, mon frère, c'est ça, hein? Bien sûr, bon, c'est ici. Bon, maintenant, dis-moi un peu, où est-ce que tu avais vu Kamso? Vas-y, je t'écoute. Va la chercher, frère. Je ne te comprends toujours pas, hein. Kamso! Oh, Seigneur! Kamso! Non, mais tu vois bien qu'elle n'est pas là, mon cher. Kam. Que Dieu te pardonne. Kamso! Où est-ce qu'elle est? Kamso! Encore bien chercher, mon cher. Va dans la cuisine. Ou peut-être même dans une malle. Vas-y. Non, mais sérieusement, là. Il croit vraiment ce que c'est. C'est comme il n'y a personne. Je pense qu'elle est sortie. Non. Pour aller faire quelque chose. C'est lui le mec dont je t'ai parlé l'autre fois. C'est lui qui monologuait. C'est lui. Gozi, es-tu sûr? Thomas, je sais de quoi je parle. Oui, c'est lui. C'est bien lui. Cela veut dire que quelque chose ne va pas avec cet homme. Sûrement qu'elle est sortie. Salut. Êtes-vous en train de chercher quelqu'un? Nous cherchons Kamso. Où est-elle? Kamso. Kamso comment? Ah, mais Kamso est déjà morte. Abois longa, abois. Rempli d'arguments. Regardez-le. As-tu perdu la tête? Je cherche Kamso, vous me dites qu'elle est morte. Kamso avec qui? J'étais ici hier. Vous me dites qu'elle est morte? Mais je... On t'a dit la vérité, monsieur. Tu as sûrement rencontré un fantôme. Tardes-tu la ferme? J'ai rencontré un fantôme. Attendez. C'est un complot. Hein? Vous l'avez planifié? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Je vais me fâcher. Et pourquoi te fâcher alors que tu ne connais rien? Mon frère va là-bas. Qu'est-ce que vous avez même? De quoi parlez-vous? Tu viens d'entendre toi-même. Tu viens toi-même d'entendre ce que ces deux filles-là viennent de dire là tout de suite. J'ai vu Kamso juste hier. Fais mon ami, calme-toi, mon laisse-moi. Je m'étais assis ici. Kamso était assise ici. Et tu me dis quoi? Mais de quoi parlez-vous juste? De quoi parlez-vous? Regarde toi-même comment ces deux filles t'ont tourné le dos comme ça. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elles ont cru que j'étais fou. Mais de quoi parle-t-il même? Il n'a pas là, qu'il n'a pas. Ah, n'est-ce pas là, qu'il n'est pas. Non mais sérieux, qu'est-ce qu'il te faut de plus? C'est la tombe de Kamso, hein? Non mais tout le monde sait très bien que Kamso est déjà morte. Et toi tu dis là que tu es en train de parler avec elle face à face, comme si elle était vivante. Non mais tu es malade. Voici la tombe de Kamso. La tombe de Kamso se trouve juste ici. Que te dire de plus, hein mon cher? Oh, ah. Et te voilà en train de continuer à raconter de la merde alors que tu dis la vérité, c'est quoi? C'est bien la tombe de Kamso. Que je te fasse un dessin? Attends, s'il te plaît, calme-toi. Tu réussis à me mettre en colère et là tu me dis de me calmer. Attends, laisse-moi te parler, hein. Quand je suis venu ici hier, j'étais avec Kamso ici. Et vous me dites que la même personne est morte depuis. Comment je peux l'accepter? Quelqu'un que j'ai rencontré hier est morte depuis deux semaines. Et tu veux que je sois convaincu? Pense-y. Mais est-ce que c'est moi qui deviens fou? Accepte-le. Mon ami, cette fille est morte. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Moi, je te comprends. Et je te le dis franchement.
C'était un fantôme. Tu as vu un fantôme. Voici la tombe de Kamso. Kamso est morte il y a 2 semaines de cela. Accepte-le, non, frère. Et tu as quand même vu comment ces deux filles ont confirmé ce fait, hein, mon cher. Obina. Kamso est morte. Obina, est-ce que je suis vivant? Oui. Tu es sûr que je suis vivant? Es-tu sûr? Tu es en vie. Hey! Joseph, est-ce que tu peux te calmer là? Regarde-toi. Ok. Je peux bien le voir. Je le vois très bien. C'est tellement clair sur ton visage. Sois juste un homme. Sois un homme et dis... Parle-moi comme un homme. Dis-moi juste que tu ne veux plus de moi, Joseph. Ok, dis-moi, de quoi parles-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Joseph, regarde-moi droit dans les yeux. Dis-moi que tu ne veux plus de moi. Je te quitterai, je ne viendrai plus te distraire. S'il te plaît, arrête. Arrête! Je t'aime et tu le sais très bien. Je n'en sais rien du tout. Je suis confuse, Joseph. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Joseph? Ok, s'il te plaît, prends ce moment. Là où je suis maintenant, ma tête est chaude. Là où je suis maintenant, ma tête est plus que chaude. Je ne suis pas d'humeur. S'il te plaît, je ne suis pas d'humeur. S'il te plaît, essaie de me comprendre. Je le savais. Je le savais tout. Je connaissais tout ça. Je m'attendais à ce que tu viennes me balancer toutes ces bêtises. Je te parlerai après. Joseph! Joseph! Joseph vient juste me tourner le dos. Hein? Joseph, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi refuses-tu de manger? Je n'ai pas faim. Qu'est-ce que tu veux dire par tu n'as pas faim? Et d'ailleurs, tu n'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui se passe? Mon fils. J'ai tout entendu. Écoute, nous sommes tes parents. Nous savons quand tu vas bien et quand tu ne vas pas bien. Et maintenant là, tu ne vas pas bien. Exactement. Quel est le problème? Parle. Si tu ne nous en parles pas, à qui est-ce que tu vas en parler? Hein, mon fils? Ah, mon mari. Je ne sais pas. J'ai vu un fantôme. Ah! De quoi tu parles? Je parlais avec un fantôme. Fantôme? Ouais, un fantôme. Mon mari. Fantôme? Est-ce que tu as entendu? Mais comment? Où et comment? De quoi tu parles? Kamso est un fantôme. J'ai eu la confirmation aujourd'hui. Elle était morte il y a 2 semaines. Jésus. Comment? Kamso. La même Kamso. Comment est-ce que cela est possible, Joseph? Comment cela est-il possible? Kamso, fantôme. Chérie, c'est possible. Comment? Tu vois, avant la naissance de notre fils, il y avait une prophétie qui disait qu'il va naître avec le pouvoir d'interagir avec les morts. Notre Joseph? Exact. Oui. Ce que tu vois n'est rien d'autre que l'accomplissement de la prophétie. Papa, mais tu ne m'as jamais dit ça. Pourquoi c'est maintenant que tu me le dis? Il ne me l'a jamais dit aussi. Hein? Je devais te le dire quand tu pourrais le comprendre. Chérie, je suis désolé, mais cela m'est arrivé avant même qu'on se marie. Bien avant que tu ne Exact. Me pousses. Hey, c'est incroyable. Mais je devais le garder jusqu'au moment opportun.
tel que tu le vois, c'est l'accomplissement de la prophétie. Ok. Mmh. C'est vraiment incroyable. C'est en effet l'accomplissement de la prophétie. Mon fils. Joseph dans la Bible. Du fait que ton père affirme cette histoire, donc ce n'est pas quelque chose dont tu dois te soucier. S'il te plaît, viens manger, c'est ta nature. Je t'en prie, mon fils. Moi aussi, je ne connaissais pas cette histoire. Je viens de l'apprendre. Maman, je te l'ai dit, je n'ai pas faim. Non, comment ça tu n'as pas faim? Arrête, tu dois manger. Parce que cela a déjà été prédit. Maman, je dis que je n'ai pas faim. Prends courage et viens manger, mon fils. Monsieur l'entrepreneur, vous voyez comment la cour est large. Donc, du derrière jusqu'au devant, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Mm-hmm, absolument. Monsieur l'entrepreneur, soyez posé, faites monsieur. Un bon travail. Construisez un édifice. Comme je le disais, le travail a déjà commencé. Oh non, hein? Je pense que ça... Il m'en est bon, fou. Eh si, il m'en est bon, fou. Il y a quoi, il aussi, hein? Merci beaucoup. Je ne te laisserai pas vendre cette maison. Je ne te laisserai pas vendre ma maison familiale. Tu seras puni par une mort terrible. Gouli, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai aucune idée, moi. Je crois qu'elle souffre dans son inconscience. Inconscience? Laisse-moi te répondre directement. Je suis optimiste. Elle ira bien. Tu es sûre qu'elle ira bien? Je te dis. Nous la traitons et nous croyons que ça va aller. Hein? Ok. Donc tu es un fantôme. Que veux-tu de moi? Joseph, s'il te plaît, calme-toi. Je vais t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Rien du tout. Hein? Laisse-moi en paix. S'il te plaît, je vais t'expliquer. J'ai été tué. Donc, tu veux dire que ton oncle t'a fait cela? Oui. Il planifie encore de tuer ma mère pour vendre la parcelle de mon père. Je ne croyais pas que quelqu'un pouvait me voir jusqu'à ce que je t'avais rencontré. Waouh. La manière dont tu viens de décrire ton oncle-ci, cela montre qu'il est un homme très dangereux. Et je n'ai pas la volonté ou ce qu'il faut pour le confronter. S'il te plaît, Joseph, aide-moi. Mon âme ne sera jamais tranquille jusqu'à ce que mon oncle paye pour tous les mals qu'il a commis. Je sais que je te mets dans une position qui n'est pas bonne. Mais s'il te plaît, accorde-moi une chance et je suis là pour attendre ta réponse. Je te laisse le temps. Non. Oui, mec. Igo est bon. Le roi de votre communauté est un homme très méchant. Il planifie de vendre tous les terrains qui appartiennent à la famille de Kamso. Igo est bon, un homme méchant. Aïe. Joseph, hein? Comment tu fais ça? Je veux dire, d'où est-ce que tu tiens toutes ces informations soudainement comme ça? Obi, j'arrive à ce point. Écoute, maintenant, Igwe Mbombe est celui qui est responsable de la mort de Kamso et de son père. Est-ce que tu sais ça, mon gars? Eh ben non. Joseph, Dodo Dondoliko. Je ne t'ai pas du tout entendu. Et d'ailleurs, je suis sourd, frère, depuis l'an 2000. Mon frère, c'est une rude accusation. Non mais, qui te raconte toute cette... Kamso m'a tout dit. Elle m'a supplié de ne pas permettre à Nkoumé, Igo Nkoumé, de réaliser tous ses plans. Hey, Obi, Kamso est ici. Non mais c'est quoi encore Obi, ce bordel Obi, que je vais attends, marquer non, là, hein? Calme-toi. Pourquoi tu te fâches maintenant, s'il te plaît?
Attends. Attends. Joseph, dis-lui qu'il n'a pas bloqué la portière de sa voiture et un voleur cherche à voler son téléphone. Tu entends ça? Tu entends ça? Kamso dit que tu as laissé ta voiture ouverte. Qu'il y a un voleur dedans qui essaie de voler Joseph, ton téléphone. Joseph, tu peux te siéger bien, mec. Tu vois? Tu vois? Je te le dis, mais tu ne me crois pas. Attends. Hey! Quand cela dit, est-ce qu'il n'a pas volé ce téléphone maintenant? Hey. Où est-il? Où il est, mon bigot? Viens vérifier si tout est dedans. Oh, c'est pas vrai. Mon téléphone, je le trouve là-devant. Viens vérifier. Bordel de merde. Vérifie. Hey! J'ai échappé la mort. Hey! Je suis en vie, c'est tout ce qui importe. Ah, ces gens sont comment? Hey! Hey! Hein? Ojiboum. Il a pris quoi? Ojiboum. Igbo? Il a pris mon marijuana, mec. Il a pris ton marijuana. J'ai dit Ojiboum, tu veux que je te dise quoi? Ojiboum. Est-ce que tu vas bien? Hein? Tu devrais remercier Dieu que tout est dedans. Tu me parles de marijuana. Marijuana est très important. Mon frère, tu la fermes là-bas. Maintenant, tu peux la croire, non? Tu doutes d'elle. Tu peux croire maintenant que Kanso a raison. Qu'elle est réelle? Gars, tout ce que je t'ai dit à propos d'elle, c'est vrai. Tout ce que je t'ai dit. Ouais. Je t'ai dit que Igbo Ipoboum est un méchant. Igbo est un méchant. Maintenant, tu peux me croire. Oui, croire à ce que j'ai dit? Comme oui, ton marijuana est perdu, tu me crois maintenant, non? Utilise ta tête. Votre Igbo est méchant. On doit arrêter cet homme. Je te dis, c'est un homme méchant. Il a tué Kanso. Il a tué le père de Kanso. C'est un homme méchant. Hein? C'est plutôt ce garçon qui est très méchant. Tu parles encore de ton marijuana. Maintenant, dis-moi, comment je vais vivre, moi, hein? Comment je vais vivre sans mon marijuana? Il est où, ma demi-père? C'est plutôt ce garçon qui est très méchant. Hein? Allons-y, Obi. Hey! Allons-y. Dieu merci que ton argent et les autres choses dans la voiture sont là. Dieu merci. Dieu merci, mon œil. Tu dis Dieu merci alors qu'on a volé mon marijuana. Mon frère, s'il te plaît, allons-y. Je te l'ai dit que votre Igwe est un homme méchant. Ah, maintenant, tu me crois, non? Oh, yao. Watago m'a enquêté. Igwe. Osoji, assieds-toi. Garde. Oui, Majesté. Quittez. Bien reçu, Igwe. Ono, qu'est-ce qui te retenait? Igwe, désolé que je t'ai fait entendre. En réalité, j'étais en route pour ce palais. Le besoin m'a appelé, Kanji. J'ai décidé de brancher chez Mboafo afin de me satisfaire et me décharger un peu. Je suis vraiment désolé. Toi, tu ne vas jamais arrêter de présenter des excuses. Mais il y a quelque chose que je veux que tu m'aides à faire. Votre Majesté, qu'est-ce que cela pourrait être? Tu sais que je suis toujours à ton service. Ouais. Écoute, je veux que tu commences à surveiller Ezine. Ouais. Dans le village voisin. Pour voir si elle est en train de se rétablir. Et s'il en est le cas, on la tue. Igwe, c'est comme tu ne me connais plus. Tu sais ce que je peux faire. Ouais. Ne te gêne pas. Cette affaire, c'est mon affaire. Tu ne me fais plus confiance? Oh non, tu sais de quoi tu es capable. Okwanata, on a vu quoi? Amanata. Osakade, Osanyamafu. Dans ces cas, prends. Ah, tout ça pour moi? Ouais. Tu es incroyable. En appréciation pour le travail que tu vas fournir. Nyaono, Wenye, Etiokwe. Eliokoi. Kama mane gaza Jeremiah ne menje geri. Okagwa kwa noza la Abraham. Kive beri enkenke.
Abraham Amaka. Abraham Kenu Anoro. Mamaka Renu Anubaka. Je pense que je dois m'en aller maintenant. Fais un bon travail. Fais un bon travail. Vous planifiez encore de tuer ma mère. Après avoir tué mon père et moi, je vous maudis aujourd'hui. Vous ne resterez jamais impuni. Garde! Grand frère Joseph, comment est-ce que tu peux tomber amoureuse d'elle pendant que tu as une autre fille avec toi? Moi, Gola, tu as chance que papa et maman sont ici. Sinon, tu verras. As-tu perdu la tête? Mais de quoi tu parles? Grand frère, tu... Mais quoi? Tu la fermes. Maman, vous avez gâté. Comment elle peut se pointer devant vous et me parler comme ça? Que quoi? Joseph, pour quelle raison? A-t-elle tort? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu t'énerves à chaque fois qu'on parle de cette fille? Dès qu'on parle d'elle, tu te fâches. Qu'est-ce que c'est? Ok, dis-moi, qui est cette fille? Et qu'est-ce qu'elle te veut au juste? Écoutez, hein? Connaître cette fille n'est pas important. Ce n'est pas cela qui nous importe ici. Qu'est-ce que tu regardes? Elle a complètement raison. Comment est-ce que notre fils peut tomber amoureux d'un fantôme? C'est ce que je ne comprends pas. Suis-tu l'exemple de son père ou quoi? Joseph, je suis ton père. Et je te dis maintenant là, va dire à cette soi-disant fille, qu'elle soit vivante ou fantôme ou peu importe son origine, dis-lui de te laisser tranquille, qu'elle nous laisse tranquille. Est-ce que tu m'entends? Elle doit laisser notre... Les morts et les vivants n'ont rien en Exactement. Commun. Exactement. Je me demande pourquoi cette histoire emballe notre fils. Hey, il laisse toutes les filles. Comme ça tu es ici. Joseph, je peux parler avec toi en dehors? Que je vienne? Ok, laisse-moi venir, non? Non, maman, doucement, j'arrive. Hé, hey, comme ça. Hé hey. Joseph. Ma femme. Mais où est-ce que tu vas comme ça? Qu'est-ce qui nous arrive, hein? Mais c'est quoi le problème? J'espère que tu ne vas pas me demander de rester calme avec ça, hein? Joseph. Mon frère Joseph. J'espère que tout va bien. Il y a un problème? Je veux que tu sauves ma mère. Mon oncle s'est décidé de la tuer. Hey, que puis-je faire? Ok, je dois au moins parler à mes parents. Ils ne vont pas comprendre, excepté si seulement je les convainc. Ok, bien. Est-ce que tu as quelque chose en tête à leur dire? Va à l'intérieur et dis à ton père que le vin de palme qu'il avait apporté est empoisonné par ses collègues. Hey! Donc, Marichie, bonhomme, qui a fait ça? Qui et comment? Dis-lui, s'il prend ce vin, il va mourir. Mon frère est devenu fou. L'état de mon fils ne fait qu'empirer. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que c'est? Nketi, mais que... Papa. Papa, qui t'a donné le vin de palme au marché? Le vin qui de t'a donné le vin de palme au marché, papa? Que veux-tu dire par... Quel vin de palme? Papa, quelqu'un t'a donné du vin de palme au marché et cela a été mélangé avec du poison. S'il te plaît, qui t'a donné le vin de palme? Tu étais revenu avec... Qui te l'a donné? Oui, c'est ça. C'est Maziago qui m'a donné le vin de palme. Comment l'as-tu su? Papa, Kanso me l'a dit. Écoute, où est le vin de palme? Kenugo? Enugo? Est-ce que tu l'as bu? Où est-ce que tu l'as mis? Ça se trouve dans la chambre. Attends. Mon mari, il n'était pas là quand tu l'avais apporté. Hein? As-tu goûté à ce vin? Bah, je voulais juste goûter à ça, mais je n'avais pas pu. Mais comment est-ce qu'il a su? Je veux dire, il n'était pas là. Donc ce qu'il dit est vrai. Je vais... Bien. Mais où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ne sais-tu pas qu'elle t'aime? Qu'est-ce que c'est que ça? Allons-y, d'abord, s'il te plaît. Où? Mais comment? Juste... Papa, juste... Suis-moi d'abord, juste... Naï, mon mari, je t'en prie, va vérifier. Pars. Allons-y. Okay. On y va. Suis-moi. Ah, mais du vin de palme... Je ne comprends absolument rien de tout ça. Comment est-ce qu'un fantôme pouvait savoir que mon mari était revenu avec le vin de palme? Ça, c'est de 1. Et comment est-ce qu'elle manipule mon fils pour qu'il la suive? Je ne comprends absolument rien. Moi aussi. Ça me dépasse vraiment. Mais je suis là. Je ne bouge pas, je dois connaître la suite.
Je les attends. Je ne bouge pas. Maman, j'avais vu le grand frère comme j'entends de parler avec ces fantômes. Oui. Ils étaient en train de causer. Oui. Agou. 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 Maman. Sors. Jojo. Viens par ici. Est-ce fait? Attends là-bas. Attends. Quand du vin de palme. Est-ce que tu as vendu ce vin de palme à mon père? Bien sûr, je l'ai vendu à ton père en tant qu'un client fidèle et aussi un bon ami. Ago, tu as mélangé ce vin de palme avec du poison et tu as donné ça à mon père afin de le tuer, c'est ça? Je te pose la question et tu fais semblant. Parle. Attends. Réponds-lui. Tu as empoisonné ça ou pas? Parle. Réponds-lui. Vas-y, fais, tu es ici. Réponds-lui. Tu es ici et ton frère essaie de m'étrangler. Et au même moment, m'accusant d'empoisonner le vin de palme. Pourquoi est-ce que tu es ici? Je t'accuse faussement, c'est ça? Ouais. Pas de problème. Ago. Parle. Il faut goûter ça. Donc tu as le culot de m'appeler par mon nom. Ago, prends ça. N'a pas de reste. Ago, bois ton vin de palme. Ago, bois ton vin de palme. Pourquoi? Ago, bois ton vin de palme. Pourquoi? Bois tu demandes pourquoi? Pourquoi? Attends, tu auras la réponse maintenant. Ago, bois ton vin de palme. Bois ton vin de palme. Prends ça. Prends ça. Bois ton vin de palme. Allez, vas-y. Bois ça. Bois ça. Pardon. Je dis bois ton vin de palme. Bois ton vin de palme. Tu l'as fait, mon ami. Bois ça. Bois ça. Arrête-le, s'il te plaît. Arrête-le. Dis quelque chose. Arrête-le. Parle maintenant. C'est pas de ma faute. Parle. C'était pas de ma faute. C'est la faute de qui? Mon frère, parle. Je parle, non. C'était à la dernière réunion du village que ton père se moquait de moi pour ma stérilité. Alors, je ne voulais pas le faire. Hey. Je n'avais jamais voulu le faire. C'était lui qui a apporté le poison. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Alors, Agou. Vas-y, fais, je demande pardon. Agou, tu avais l'intention de m'empoisonner? Non. Hé! Tu sais que j'aime ta famille. Qu'est-ce que je t'ai fait? Papa, ça fait longtemps. Tu vois tout cela maintenant. Tu vois la personne que tu appelles ton ami? Regarde-le, Unimélénié. Juste, regarde-le. Dieu merci pour Kamso. Si ce n'est pas grâce à Kamso, si ce n'est pas grâce à elle. C'est toi qui vas boire ce vin. Attends, tu vas boire. Tu vas le boire. Qui te boit ça? Tu vas boire. Qui te boit ça? Tu vas le boire. Dieu est merveilleux. Mon Dieu. Je suis toujours sur le choc. Les fantômes commencent à t'apparaître comme ça. Je te dis. Papa, ce n'est pas toute chose qu'on cherche à comprendre. Il faut juste observer. Elle a sauvé ma vie. J'ai béni Dieu pour ça. Sinon, on allait te perdre, mon mari. Oh, vraiment? Sinon, c'est comme ça qu'on va le perdre sans savoir ce qui se passe. Tu as vraiment raison. Tout ça à cause de Kamso. Mais imaginez la suite. Kamso. Oh, okay. Hey, que Dieu te bénisse. Tu viens de sauver la vie de mon père. Nous avons dit merci. Dis à ta soeur que son petit ami Mike veut l'utiliser comme sacrifice pour un rituel d'argent. Quoi? Que le petit ami de Nkechi veut l'utiliser pour le rituel d'argent. Jésus! Tu as dit quoi? Des rituels? Comment? Kaka, ma fille? Il lui avait même demandé de l'accompagner quelque part ce mardi. Parce qu'on lui avait demandé d'apporter quelqu'un. Quoi? Nkechi? Nkechi? Maman, attends. Nkechi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit encore? Où est-elle? Nkechi? Nkechi? Frère, qu'a-t-elle dit? Qui est Mike? Tiens-toi ici, viens. Qui est Mike? Viens devant ici, ferme la porte, devant. Tiens-toi là. Ok, vas-y. Qui est Mike? Réponds. Mike? Qui est Mike? Qui est Mike? C'est juste un ami. Juste. Un ami? Pourquoi est-ce donc, que tu veux il y a un Mike. Nkechi, pourquoi tu es imprudente comme ça? Je te le disais. Tu vois? Écoute, Kamso a dit que ton soi-disant juste ami planifie de t'utiliser pour le rituel d'argent. Oh! Sans effet! Avant que cela ne plaise pas à ton Dieu, elle a dit qu'il t'a demandé de l'accompagner à aller quelque part mardi. Est-ce que c'est vrai? Oui. Hello! Nkechi? Nkechi, ignoré. Tu vois maintenant? Tu vois ce que tu fais? Juste à cause de toi.
Nous voulons te perdre à cause de tes bêtises. C'est quoi avec toi? Nketi? Donc tu as un petit ami qui est un ritualiste? Hein? Comment est-ce possible? S'il te plaît, maman, dis à Kamso que nous sommes vraiment ravis. C'est un ange pour nous, quoi. Kamso est devenue très importante pour nous. Elle est pour notre ange. Dis-lui que nous sommes vraiment très contents. Elle est devenue très importante. Nous très lui disons importante. Merci. Vas-y, dis-lui, non? Est-elle maman, partie? Maman, quand je vous parlais, toi et papa... Mais vas-y, dis-lui, nous sommes là pour t'écouter. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc ça veut dire que cet homme est fou ou quoi? En tout cas, je ne sais pas. Peut-être que c'est l'esprit de Kamso qui lui apparaît. Et pourquoi? Elle n'apparut pas à nous. C'est pas tout le monde qui a le don de voir le fantôme. C'est un don naturel. Peut-être que ce garçon l'en a. Ça, c'est terrible. Je ne sais vraiment pas comment t'expliquer cela. Mais... Laisse-moi te dire. Oh, si, s'il te plaît, peux-tu arrêter avec ça, hein? Ça t'effraie? Moi? Non. Kamso était notre meilleur ami. Si son esprit circule partout, il doit sûrement y avoir une raison. Je t'en prie, on y va. Allons-y. Allô, ma belle, sois la bienvenue en tout cas. Merci, ma princesse. Ma princesse, tu es bien habillée. Waouh, tu peux le dire à nouveau. Merci. Fais vite, appelle-moi Waka. D'accord, ma princesse. Alors, Woma, qu'est-ce que je peux t'offrir? Je vous en prie, ma princesse, ne vous dérangez pas. Je suis venue vous donner une nouvelle très étrange. Une nouvelle étrange? Et de quoi est-ce qu'il s'agit? Un jeune homme du village voisin raconte qu'il avait causé avec Kamso. Cela s'est passé hier. Il avait vu Kamso? Oui. Oh mon Dieu. Comment cela est possible? C'est aussi la question que je m'ai posée. Hey, Noma. Es-tu vraiment sûr que ce garçon est mentalement stable? Bien sûr, il dit la vérité. Peut-être que l'esprit de Kamso sur qui il encore court derrière ceux qui l'ont tué. Sérieusement, Noma, tu n'aurais pas dû me dire ça. J'ai peur. Ma princesse, vous ne devez pas avoir peur. Calmez-vous. Kamso ne peut pas en vouloir à ceux qui ne l'ont pas tué. Je suis sûre qu'elle est derrière ces meurtriers. Hey. Calmez-vous, ma princesse. D'accord. Calmez-vous. Ok. Ma princesse m'avait appelé. As-tu fini la lessive? Oui, ma princesse. Et c'est déjà étalé? Oui, ma princesse. Tu peux partir. Ma princesse, je crois qu'il est temps pour moi de partir. D'accord. Ojo, oui, ma princesse. Où est mon père? Il est au jardin. Oh, d'accord. Papa, il y a quelque chose dont j'aimerais qu'on discute. De quoi s'agit-il? Unoma vient juste de partir. Qui est Unoma? C'est une amie, mais nous ne sommes pas si proches. Elle était proche de Kamso quand elle était en vie. Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle a dit qu'un homme du village voisin déclare qu'il était en contact avec Kamso. La journée d'hier. Mais... Kamso est morte. Oui. Comment est-il possible que quelqu'un soit en contact avec elle? Est-ce que cela veut dire que l'esprit de Kamso n'est pas en paix? Je ne sais pas, mais je vais poser des questions pour savoir...
Ok, papa, mais papa, j'ai peur. N'aie pas peur. Écoute, les esprits ne font pas de mal aux gens innocents. Oui. Est-ce que c'est clair? C'est ce que Noam avait dit. Oh! Ok, je serai dans la chambre. Ça va. Ok, à plus. Ok. Kamso, est-ce à dire que son esprit se promène dans la communauté? Non, ce n'est pas possible. Non, j'ai peur. Igwe, quel est le problème? Oh non, il faut baisser ta voix. Ma fille est là. Je ne veux pas qu'elle nous écoute. Ok. Igwe, que se passe-t-il? Ma fille m'a dit qu'une jeune fille était venue chez elle et lui avait dit qu'un jeune homme du royaume voisin était en contact avec Kamso jusqu'hier. Atukumotu, et tu y crois? Celui qui a dit ça doit être un fou. C'est ce que tu penses? Je ne voulais pas être trop curieux pour éviter les soupçons. J'ai essayé de cacher mes sentiments quand ma fille me disait tout ça. Ouais. Igwe, ouais. Tu n'as pas besoin de te gêner. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Ça, c'est une petite chose. Écoute, il n'y a rien du genre. Oublie ça. Ils veulent juste te faire peur. En attendant, tu as du Dryden ici. Laisse-moi me charger un peu pour plus d'inspiration. Écoutez, le chantier où je travaille, mon patron va bientôt me payer tout l'argent qu'il me doit. Et s'il le fait, je t'achèterai 6 soutiens-gorge, 12 slips, 65 iPhone, 42 paires de chaussures. Merci déjà. Cette lettre I dans l'alphabet. Arrête. Bébé, écoute, tout ce que tu dis, t'as derrière au français. Arrête, toi, tu vas lui piquer, non? Oh, bébé, c'est pas ça, non? Tu sais que je t'aime beaucoup. Mais n'enlève-toi, je veux voir encore ton. Ah oui? Je veux le voir. Je veux tenir ma promesse. Tu vas tuer quelqu'un dans ce village. Je te l'avais dit avant que je mourrais pour toi. Tu mourras pour moi et nous mourrons l'un pour l'autre dans ce village. Tu ne vas pas mourir, non plus moi, nous allons vivre. Oui, c'est mon oui. Mon nom, c'est mon nom. Je peux pas promettre quelque attends, chose. Chérie, attends, je vais te montrer quelque chose. Regarde. Mon identity. Hey. Baby mo, funny identity. My love, oh, funny, funny identity. Hey, my chioma, funny identity. Oh, hey, mon nom, c'est mon nom. Hey, 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 tout, hey. Tout le. Tu vas tout baiser, c'est moi. Ça m'amène au 7e. C'est moi, je dois faire tout pour te pousser dans ce village. Arrête ça. Jeune fille, mon roi souhaite te voir maintenant. Je ne veux pas voir quelqu'un, je suis très occupée. Tu dois obéir aux ordres du roi, immédiatement. Chama, c'est de notre roi que nous parlons ici, Igwe. Tu ne peux pas lui manquer de respect comme ça. Va écouter ce qu'il a à te dire d'abord. Mais... Non, pas mais. Vas-y. D'accord. Allons-y. Jeune fille, comment tu vas? Je vais bien, votre majesté. Merci. Oh, je vois. Tu vas bien. Qui est ce jeune homme? Tu t'amuses et danses avec? C'est mon petit ami. Ton petit ami? Oui, votre majesté. Ça va. Je veux que tu viennes à mon palais demain. Vous voulez me voir? Ouais.
Je veux te voir. Je veux discuter quelque chose qui est très important avec toi. Tu seras heureuse. Ok, votre majesté. N'hésite pas de venir. Tu vas vraiment l'aimer. Merci. Ça va. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit qu'il veut me voir là-bas au palais. Pourquoi? Je sais pas, il a dit qu'il veut discuter avec moi de quelque chose. Ligoué a quelque chose à discuter avec toi, Choma. D'accord, tu iras demain pour écouter ce qu'il a à te dire, ok? Mon oui, c'est mon oui. D'accord. Il faut que tu aies compris notre jeu d'amour. Mon oui, c'est mon oui. Tu as encore commencé. Maman, je ne comprends plus rien. Joseph est en train de m'éviter totalement. Hein? Je ne sais même plus si je m'aime encore. Oh, de ma fille. Maman. Joseph t'aime toujours. C'est vrai, il t'aime. Hein? Oh, maman. Maman, je sais pourquoi je demande. S'il ne veut plus de moi, il n'a qu'à me le dire. Je le laisserai libre. Je l'éviterai. Non, ma fille, tu n'as pas à faire ça. Parce que je suis sûre qu'il t'aime toujours. Il t'aime. S'il ne t'aimait plus, je n'allais pas t'encourager à toujours venir chez moi. J'allais te le dire depuis longtemps pour que tu ne te déranges plus de venir. Mais le fait que je t'encourage toujours de venir me voir, cela veut dire que mon fils t'aime toujours. Mais si tu veux le savoir, il y a quelque chose que Joseph fait ces derniers temps qui prend tout son temps, c'est pour ça que vous ne vous voyez plus. Et je suis très sûre que dès qu'il va finir avec ça, il te reviendra, ma fille, t'inquiète. Je sais comment tu l'aimes. Maman, es-tu sûre de ça? Si je n'étais pas sûre, je n'allais pas te le dire. Je n'ai pas de raison de te mentir. Approche, je ne peux pas te mentir. Maman. Je suis sûre. Juste calme-toi et donne-lui un peu de temps. Dès qu'il aura fini avec cette histoire, il te reviendra. Ok? Ok. C'est bon. Maman, allez, maman, merci. Souris-moi et arrête ça. Qui est-ce? Qui es-tu? Qui est-ce que tu cherches? Le roi désirait me voir. Le roi. Ok, laisse-moi aller vérifier auprès de lui. Je vous salue, Majesté. Une demoiselle est venue vous voir. Elle s'appelle Choma. Elle dit que vous l'avez invitée. Fais-la entrer. Très bien, Majesté. Je vous salue, votre majesté. Salut. Tu es la bienvenue. Assieds-toi. Garde. Oui, majesté. Laissez-nous seuls. Oui, votre majesté. Je dis laissez-nous seuls. Belle fille. Es-tu de cette communauté? Oui, je le suis. C'est intéressant. Alors, qui sont tes parents? Ils sont déjà décédés. Je suis très désolé. Très désolé. Okay? Je vous en prie. Ça va. Ouais, je t'ai appelé juste pour te dire que tu es une belle fille. Et aussi te dire que je veux faire de toi...
ma femme. Non, votre majesté, je ne peux pas vous épouser. Je suis amoureuse d'une autre personne. Et qui est cet homme qui a gagné ton cœur? L'homme avec lequel vous m'avez vu hier. C'est lui que j'aime. Dis-lui que je vais lui donner tout ce dont il a besoin, si et seulement si il te laisse à moi seul. Je suis désolée, mon roi. Mais... Ne te presse pas. Tu as compris. Pense-y. Prends ton temps et pense-y, ok? S'il vous plaît, votre majesté, je dois déjà prendre ma route. D'accord. Cette fille a du potentiel, hein? Hey! Mana, comment Gazaba Jeremiah ne m'a dit que Oka kwa manam zaba Ibrahim ko benu munkenke. Ego na nyae. Hey! Nindeze. My yes is my yes. My no is my no. I know they promise what I know fi do. Funny, funny identity. Oh, papa mo, funny, funny identity. Oh, mama mo, funny, funny identity. Hey, chama, chama mon amour. Mon amour, d'où viens-tu? Du palais. J'étais partie voir le roi. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Peux-tu imaginer? Cet homme me demande de l'épouser. Ah, es-tu sérieuse? Il t'a demandé de l'épouser. Mais l'homme là est assez vieux pour être ton père. Et toi, quelle était ta réponse? Sans effet. Je ne peux pas épouser cet homme. Je lui ai dit que je suis déjà occupée. C'est toi que j'aime. Donc, tu ne veux pas épouser Igor? Je ne peux jamais l'épouser. Tu sais que l'homme là est méchant, n'est-ce pas? Je sais, mais il ne peut jamais nous faire quelque chose. C'est sûr. Bébé, es-tu sûr? T'inquiète. Bébé, my yes is my yes. My no is my no. I know they promise and fail. Hey, funny identity. Tu vas tuer les gens d'assez bien avec ton derrière si. Funny identity. Bébé, vas-y, vas-y, vas-y. Tu vois, j'ai quelques travaux à faire. Vas-y, 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 avant que... Ok, bye, chérie. Tu me fasses oublier ce que j'ai à faire. Funny, funny identity. Il y a un danger. J'ai vu un danger. Le grand, je sais. Mais bientôt, je tuerai Ezine. Ce n'est pas elle le problème. Alors, qui est le problème? Il y a un jeune homme qui est en train de préparer la guerre contre vous. L'esprit de Kamso lui est apparu et lui a tout révélé. Il provient de Oboko. Ça commence par m'être clair. Puis-je savoir qui est le jeune homme? Vous aimez? Hé! Le voilà! Vous devez prendre ce jeune homme au sérieux parce qu'il est courageux. Le grand, puis-je prendre sa vue avec mon téléphone? Tout est possible avec Ici Kaba. Le grand Ici Kaba. Mmh.
Ce gars a abusé de notre patience. Ça m'énerve, ça m'énerve. Je ne suis pas juste énervé, je peux péter les plans. Écoute, ces gars, on va les clouer aussi. Tu es avec nous? Je suis là, non. Je vais laisser terminer, Igwer. Regardez ceci. Ce jeune homme veut livrer la guerre contre Ezeinkoumé. Igwer, ce gars verra la guerre et fuira. Scorpion, Igwer, Dragon, Igwer, Daga, Igwer, et Tossi, Igwer. Demain, très tôt le matin, nous allons le localiser et lui rendre une visite spéciale. Est-ce que je me suis fait comprendre? Ouais, bon, oui, boss. Considérez que c'est fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes là, non? On y va. Toi, où est ton... S'il revient, merci, monsieur. Dis-lui que les éléments de Ezeinkoumé sont venus avec un message très important. Merci, monsieur. Et voici le message. Nous ne voulons plus jamais le voir proche de Akpankoumé. Sinon, la prochaine fois que nous viendrons, c'est le sang qui coulera. Pardon, vous passez à s'il vous plaît. Je vous en prie. Obalana Agom, je suis assoiffé de sang. J'en ai tellement besoin, oh mon Dieu. Hey, Nana. S'il vous plaît, pardon. J'ai soif du sang. Ne parle pas du sang, s'il te plaît. Vous l'avez entendu? Oui, monsieur. Vous l'avez entendu? Mon fils ne viendra plus là-bas. Je ne veux plus me répéter. Exactement. S'il vous plaît. Vous ne devez pas. Sinon, le sang coulera ici excessivement. Il ne viendra plus là. Obalana Agom. Je suis tellement assoiffé de sang, moi. Joseph, maman. Hey. Joseph. Maman. Joseph. Hey. Est-ce qu'il est en vie? Où était-il parti? Joseph. Où est-il parti? Oh mon fils. Mon fils Joseph. Oh mon fils. Dieu. Mais que, comment ont-ils pu? Hein? Dans ma propre maison? Hey. Et alors, s'ils avaient trouvé Joseph ici à la maison? Il n'est pas là. Heureusement, il n'est pas à la maison. Ah, qu'est-ce que c'est? Tu me demandes qu'est-ce que c'est? Papa, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu me demandes vraiment qu'est-ce que c'est? Maman, hein? Maman, qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Dis-nous. Hein? De quoi parles-tu, papa? Je ne te... Bonne question. Laisse-moi m'asseoir. Une bonne question. Maman, dis-moi, est-ce que tout va bien? Ça ne va pas. Que s'est-il passé au juste? Écoute, si tu étais venu ici il y a 20 minutes passées, tu aurais vu comment les gens de Igwegoumé étaient venus nous terrifier ici. Ils étaient ici. Ils nous ont humiliés. Ils nous ont menacés. Ah, comment ça? Ils nous ont dit de t'avertir. De m'avertir? Oui. Comment? Pourquoi? Une autre bonne question. Ils nous ont demandé de t'avertir, de ne jamais fouler tes pieds à Aokoku. Et que si jamais tu le faisais, qu'ils viendront encore nous rendre visite ici. Et quand ils viendront, le sang va couler excessivement. Jamais de la vie. Oh, je vois. Non, tu n'as rien vu. Non, Joseph, tu n'as rien vu. Tu m'as entendu? Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'étais pas là. C'est nous qui avons été maltraités. Et tu nous dis que tu as vu. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que c'est? Écoute, arrête. Regarde-moi ça. S'il te plaît, va dire à ton ami fantôme que nous en avons assez. Qu'elle reste loin de toi. Tu es là en train de dire que tu as vu. Où est-ce que tu vas comme ça? Et qu'elle nous laisse tranquille. Joseph, va lui dire. Va voir ta chère amie fantôme et dis-lui de nous laisser tranquille. Et qu'elle arrête d'apparaître, s'il te plaît. Joseph, tu as entendu ta mère? Qu'est-ce que c'est? Joseph, tu as entendu ta mère? Que cette fille reste loin de nous. Oui. Igwengoumé est très dangereux. Il est très dangereux. Nous n'avons pas de force pour faire face à lui. M'as-tu compris? Si tu étais là quelques minutes avant, tu n'allais pas dire que je vois.
Eh, monsieur, tiens, allez. Viens ici. Idiot. Allez. Hey, tu veux aller où? Hein? Tu veux fouiller? Entre dans la voiture. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez. Qu'est-ce que j'ai fait? Entre là. Idiot. Qu'est-ce que j'ai fait? Tais-toi là-bas, idiot. Ferme-la. Non, mais tu vas la fermer. Tais-toi. C'est quoi ton problème? Tais-toi. Ferme ta bouche. Idiot. Tais-toi. Tu vas me sentir aujourd'hui. Tais-toi, j'ai dit tais-toi. Ferme ta sale bouche, idiot. Allez, sors de là. Allez, on sort. Qu'est-ce que j'ai fait? Ferme-la. Laissez-le. Igwe, quel est mon crime? Ne lui fais pas de mal. C'est moi qui t'ai invité. Je veux parler avec toi. Écoute, tu vois la fille, la Choma. Je suis amoureux d'elle. Je veux faire d'elle ma femme. Donc, laisse-la tranquille. Juste, ne t'inquiète pas. Dis tout ce que tu veux et il te sera donné. Parce que je ne veux plus te voir proche d'elle. Est-ce que c'est clair? Igwe, Choma est ma vie. Elle compte tellement pour moi que je ne peux même pas considérer ce que vous dites, votre majesté. Et toi, ferme-la. Inestimable, Igwe. Ok. Puisque tu ne peux pas la laisser tranquille, alors, je ne veux plus jamais te voir autour d'elle. Tu es prévenu. Emmenez-le. Allez, c'est bon, lève-toi, idiot. Lève-toi, idiot. Debout. Lève-toi et avance, idiot. Oh non. Igwe. Voyant l'allure des choses, je veux être très proactif. C'est-à-dire? Je veux tuer Ezine cette nuit. Igwe, avec tout le respect que je te dois, tu commences par être responsable maintenant. Laisse-moi te dire, si tu la tues, tout de manière traditionnelle te reviendra. En fait, tu aurais dû la tuer avant maintenant. En tout cas, il n'est jamais trop tard. Oh non, tu as raison. Tu as vraiment raison. En tout cas, ce sera fait cette soirée. Igwe Ngboumé. Igwe Ngboumé. L'opération sera faite cette soirée. Hey, Ekemoya. Osodi. Anata. Anafu. Etakadie. Osaga. Saga. Il est mort, non? Il est mort, non? Il faut nier Tchokov.